I don't even hate on it because this is what I do here in America. When black men tell me, "Oh yeah, I like your kind of women," da 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 da, I'm like, "Hell yeah, come to my country. Hell yeah, come to my country." Why? Because I'm thinking about the women that do need money and want to get that lick, and they're just the easiest lick to get. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien pu aller à la fin. J'espère t'abonner, tu connais. Ici c'est Jonathan Chili de la chaîne Sport, te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Hein, et ma formation Pirate Marketing, ça c'est si jamais tu me connais déjà. Je te montre une stratégie pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur la crypto-monnaie, sur l'immobilier, sur le personal branding. Je pense que j'ai fait le tour là. Et si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. C'est gratuit, soit faire l'appel, ok. C'est des gens qui sont formés sur le business, ils connaissent le business, tu vas pouvoir leur poser toutes les questions que tu veux sur Pirate Marketing et puis parler aussi de tes objectifs et voir si jamais ça pourrait te correspondre déjà et peut-être après te reconduire sur autre chose, tu vois. Bref, en tout cas, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose. Hein. Si jamais tu fais rien, il ne va rien se passer. Tu connais déjà l'adage, c'est la base. Donc, pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Ivry dans le 91, dans le quartier des Pyramides. Arrêtez de chialer les gars, j'ai connu le business en ligne super tard, j'avais plus de 30 ans. Ça fait plus de 3 ans, 4 ans que je vois, je sais même plus maintenant. Les gars, si tu fais rien, rien ne va se passer, les gars. C'est tout ce que je dis. Et rappelle-toi, tu n'as qu'une seule vie. Donc après, c'est à toi de voir. Hein. C'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, il y a une Dominicaine qui apparemment… Donc, je te mets le contexte. En fait, tu sais, il y a un gars qui s'appelle Passeur Bro. Okay, les passeports bro, en fait, le concept, c'est que les Américains ils prennent leur passeport pour pouvoir aller chercher des femmes à l'extérieur du pays. Parce que vu que le marché du dating, il est super chaud et que les meufs, elles sont attirées que par les 20% des hommes, bah 80% des hommes sont en galère. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une stat qui est sortie que un tiers des hommes, c'est de 20 à 30 ans, ou n'ont pas de relations sexuelles de manière fréquente, ou sont puceaux. Ça paraît fou quand tu l'entends, mais à un moment donné, les stats, les stats, c'est des stats. Hein. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça crée plein de phénomènes. D'ailleurs, c'est pour ça que les sujets comme la masculinité, aujourd'hui, ça touche autant les hommes parce que ils sont en galère. Ils n'ont jamais eu autant besoin de conseils sur comment faire pour pouvoir gérer la situation parce qu'ils sont en galère. T'imagines la frustration, t'as ta testostérone dans tous les sens et les meufs ne te voient pas. Tu es invisible. Tu vois, j'avais déjà fait des vidéos où je te montrais où les meufs, quand elles parlent des hommes, elles parlent des 20%. Quand elles disent c'est tous des salauds, elles parlent des 20, 10%, 1%. Donc la vie, elle est dure pour les hommes, surtout aux États-Unis, parce que franchement, je pense aussi aux France, évidemment, les gars. Mais les gars, franchement, aux États-Unis, c'est chaud quand même. Si tu es un gars moyen, mais quand je te dis qu'elle ne te voit pas, mais elle ne te voit pas, tu es vraiment invisible. Mais, après, c'est pareil en France aussi. Mais bon, bref, en tout cas. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs phénomènes qui ont surgi de toute cette situation, dont l'une qui est les gars, ils prennent leur passeport et ils vont au Brésil, ils vont en Thaïlande pour pouvoir gérer des meufs, ok, et pour pouvoir même trouver une femme, clairement, pour pouvoir trouver une femme, hein, simplement. Et donc du coup, il y a une Dominicaine qui a intervenu dans un show, dans un show pour donner son avis par rapport au passeport bro et qu'en gros, elle explique que, qu'en fait, les meufs, en tout cas les Dominicaines, parce que les gars aussi vont en République d'Homme, et que genre, quelques Dominicaines, en fait, elles n'ont pas de respect pour les gars. Bon, je te laisse écouter et après, on en rediscute. So, I'm not Brazilian. I have Brazilian friends. I'm from the Dominican Republic. Oh, okay. And the passport bros, man, they've been a thing for so long. So, the difference between the foreign European guys that come into the country is not very, very different as far as what their reasons are, but the behavior is quite different. Mm-hmm. So when the African-American men go, they go over there to show off, to, you know, kind of boast to other people about how they're getting all this sexual attention. Well, the Euro guys are kind of like, you know, come to my yacht, and, you know, they're kind of more like trying to have a party and, you know, just enjoy the company of women. Not to say that they're not terrible too, but right. The way the African-American guys comport themselves is more of like a stroke of ego because they don't get it back in their country. So quiet as is kept, we all know from the girls that don't
partake in that kind of industry to the girls that do, we all know that when an African-American man comes down there, he's usually not sexually socialized correctly. So he thinks that the way we act is because of him, when it's just culture that we act the way we do, which is, you know, tending to our man and whatnot. So then another thing that also happens is that we all communicate with each other. He's a lick. Get what you can. Make him feel like he's special. Just turn up the heat as far as how, you know, sweet and submissive you are. But just get your lick. That's all they care about. And see, I don't, the thing is, I don't even hate on it, because this is what I do here in America. When black men tell me, oh yeah, I like your kind of women, da 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 da, I'm like, hell yeah, come to my country. Hell yeah, come to my country. Why? Because I'm thinking about the women that do need money and want to get that lick, and they're just the easiest lick to get. Whereas a Euro guy is going to be like, you know, he's going to want to, for you to establish, like, look at him with some type of respect, understand his lifestyle. He wants you to be impressed by him. Whereas the African-American men are more like, yeah, you know, I don't get attention from my women over there, so that's why I come here. And, you know, you women are the best. And we all are in cahoots. We all know what time it is. So that's all I have to say about them. They're not special over there. And they already have made their own reputation in Brazil and DR and Colombia, all that. They've already made a terrible reputation. We're obviously not going to say it to their face, because we got to hit the licks. Girl, wait a minute. Wait a minute now. You just came through. You didn't just drop tea. You dropped a bomb. And it's just, wait a minute. So it's this you don't say it out loud. Of course. You just have this code among each other that this mm-hmm. is what we're doing. Yeah, because we already know that men that talk badly about their own women it's almost like treasonous. Mm-hmm. It's almost like they're natural born backstabbers. Bon, alors je sais pas ce que tu en penses. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'apparemment nous les Européens, elle a l'air de faire comprendre que nous les Européens, on est bien. Tu vois, bon, mais je me laisserai pas avoir, hein, parce qu'elle nous caresse sur le sens du poil, les gars. Il faut être alerte. Hein, donc tout ce qu'elle essaie de faire, c'est de comparer vous êtes des bouffons, par contre les Européens bien, tu vois, mais c'est juste une technique. Donc alors moi ce que j'en pense, parce que de mon expérience, j'ai rencontré beaucoup d'Américains, je t'ai déjà fait part d'ailleurs de certaines expériences, je vais t'en reparler justement pour illustrer ce que j'en pense et si je suis d'accord avec elle ou pas. Il y a une partie où je suis d'accord sur le fait que les gars, c'est des simps, ils simpent de ouf, gars. C'est franchement, les Américains, c'est impressionnant, ils simpent tellement de ouf, gars, que franchement, gars, quand je rencontre des Américains, je ne me lie pas d'amitié avec eux. Voilà. Hein? On ne rentre pas dans des conversations. Je vois que non, ça ne va pas le faire. Et comme tu le sais, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ton entourage, c'est super important. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des gens, c'est des bêtas. En plus, si c'est des bêtas, les bêtas, c'est les gens les plus dangereux, gars. Les cibles, c'est les gens les plus dangereux. Ils peuvent te planter dans le dos pour une meuf. Et, ah ouais, ils peuvent te tuer, ils peuvent t'envoyer en prison, ils peuvent tout faire juste pour pouvoir gérer une meuf. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent pas en avoir. Parce qu'ils galèrent pour en avoir. Donc c'est quand tu as des gars comme ça autour de toi, c'est que des problèmes que tu vas avoir. C'est comme si toi, je sais pas moi, t'as plein d'argent, mais lui, il n'en a pas. Il est toujours avec toi. À un moment donné, gars, ça se trouve, il va te planter pour prendre ton argent. En tout cas, les meufs, c'est vérifié, ça c'est sûr. On se promet qu'il va aller commencer à dire « Ouais, mais tu sais, c'est pas un gars bien, nanani, nanana. » Et il va essayer de te… Ah, c'est sûr. Par contre, le truc où je suis pas d'accord avec elle, c'est que bon, tu sens qu'elle a un petit peu la rage, tu vois. Elle, vu la manière dont elle parle, c'est ok, elle est d'origine de la Dominique, mais ça se voit que genre, elle a pas l'accent, elle vit pas là-bas, ok. Donc elle fait genre comme si… faut pas oublier que les meufs, elles sont vénères. Parce qu'il faut savoir que les meufs, elles sont vénères après les gars qui prennent leur passeport, qui vont chercher des meufs ailleurs. Bah parce que, genre, et qui en plus, parce qu'elle dit, ouais, qui tapent sur leur propre meuf et tout, etc. Les meufs, elles sont bad les reins, ça. Et genre, quand tu dis à une autre meuf, ouais, que genre, les autres meufs, par exemple aux États-Unis, elles sont chum, mais toi, tu déchires, la meuf, elle est contente. Elle dit, je t'en prie pour les autres.
Voilà, c'est tout. Elles ont qu'à bien garder, elles ont qu'à bien gérer leur gars, elles ont qu'à s'occuper de leur gars. Hein, j'ai déjà vu des vidéos où les meufs, elles disent ça. Elles disent, mais débrouillez-vous. Des latinas qui ont dit, bah, débrouillez-vous. Hein. Si jamais vous n'êtes pas capable de prendre soin de vos hommes, vous êtes vénère que les latinas prennent vos hommes, c'est votre problème, vous n'avez qu'à vous occuper de vos hommes. Parce que là, je te parle entre communautés, en général, c'est... Je te parle des blacks, tu vois. C'était par rapport aux blacks, les noirs, en fait, qui vont chercher des meufs et qui se mettent en couple avec des latinas. Bref, ça, c'est la petite parenthèse. Mais quand elle dit la meuf, ouais, genre, ouais, comme il parle mal des meufs aux États-Unis, les dominicaines, elles les respectent pas. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Tout ça, tout ce qu'elle dit, c'est du n'importe quoi. Ça se voit qu'elle est vénère. Ça n'a rien à voir. Par contre, là où je rejoins ce que je disais, c'est les gars, ils s'aiment de ouf. Et tu sais comment je le sais? Parce que d'expérience, quand j'ai daté avec des meufs, j'ai vu des attitudes qui, pour moi, je me dis, mais comment ça peut traverser l'esprit de la meuf d'agir comme ça? Et j'en suis arrivé à la conclusion que si jamais elle pense que parce que je suis un étranger, elle peut agir comme ça, ça veut dire qu'il y a des simps qui sont arrivés avant et qui ont montré qu'elle pouvait agir comme ça. Okay, donc j'ai plusieurs exemples que j'avais déjà fait dans d'autres vidéos, mais je t'ai rassemblé dans cette vidéo-là, sur ceux dont je me rappelle. Hein. Je me rappelle, là, ça c'est récent, ça. Deux Colombiennes avec qui je parlais, je ne les avais jamais vues. Okay, on a matché, etc. D'ailleurs, j'étais même encore en Thaïlande. Donc on parlait, etc. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais quand leur anniversaire il est tombé, etc. Est-ce que c'était vraiment vrai, ça? Bon, ça se trouve, c'était même pas vrai. Mais bon, en tout cas, elles ont leur anniversaire, je ne sais pas quoi. Et les deux, elles m'ont demandé genre des cadeaux. Elles se connaissent pas, hein. Mais elles m'ont demandé, ouais, c'est quel cadeau tu vas m'offrir? Les gars, j'ai même pas répondu. Mais je me suis dit, mais genre, elle insistait, tu vois. Je crois qu'il y en a une qui avait insisté, quoi. Genre, quel cadeau tu vas m'offrir, quoi. J'ai dit, mais dans ma tête, c'était ouf, gars. Dans ma tête, c'était ouf, mais je te connais pas, en fait. T'es qui? La meuf, on a parlé 2-3 fois parce qu'on a fait un visio, ça y est. J'ai dit, mais Déjà, clairement, on dirait que c'est red flag, hein, évidemment, hein, c'est une évidence. Mais je me dis, si jamais elle se permet de dire ça, elle le fait tellement naturellement, c'est qu'elle a déjà fait avec d'autres gars et que les gars, ils ont envoyé de l'argent comme ça. Et ça, c'est les Américains, ça. D'expérience, gars, je sais pas si tous les Américains comme ça, mais gars, d'une manière générale, gars, de ce que j'ai vu, gars, ils se sont fait tellement laver le cerveau là-bas que peut-être parce que c'est un pays capitaliste, donc les gars, ils se disent, faut donner de l'argent comme ça à tout le monde. Sans raison, sans que personne ne le mérite, enfin je sais pas. Donc du coup, la meuf, j'ai pas répondu, tu vois. J'ai pas répondu, j'ai tout simplement pas répondu. Après, peut-être 3 semaines après ou un mois, je sais plus pourquoi j'ai repensé, j'ai dit tiens, je vais répondre quand même. Et je lui ai dit, je n'achète pas de cadeaux aux gens que je ne connais pas. Je n'achète des cadeaux seulement à ma meuf. Non, ouais, en gros, tu n'étais pas. Et elle était pas contente. C'est incroyable, hein. Elle était pas contente en plus. Donc voilà, tout ça pour te dire ça, que ça, c'est le premier truc que. Je me suis dit, si jamais elle agit comme ça, et ça c'est en Colombie, hein, si elle agit comme ça, je me dis, bah, peut-être que c'est normal, tu vois. Il doit y avoir plein d'histoires, parce que moi, en fait, dès que je vois un red flag, j'arrête de parler, tu vois, je passe à autre chose. C'est que, et sûrement, les Américains, eux, doivent continuer, voient les red flags, ils continuent, oh, tu vois. Et donc sûrement, ouais, en Dominique, les meufs, surtout quand j'étais allé en Dominique, en République d'Homme, gars, franchement, je crois que c'est le pays, moi, de mon expérience, c'est le pays où c'était le pire par rapport... les meufs, elles étaient fixées sur ton argent, quoi. C'était difficile de trouver une meuf à peu près normale qui n'est pas genre juste là pour l'argent. Ou qui ne veut pas que genre tu la payes ou que tu lui donnes de l'argent, que tu achètes des cadeaux, que mon bébé a faim, j'ai plus de lait. Enfin, en Dominique, c'est là où j'ai le plus de trucs comme ça. Après, il y en a partout, hein. Même aux États-Unis, il y a une meuf que j'avais matchée. Elle m'avait dit, ouais, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent? J'ai dit, mais c'est quoi le genre d'homme qu'il y a ici pour que les meufs, qu'elles se sentent tellement à l'aise pour pouvoir dire des trucs comme ça? Ça veut dire que ça doit marcher. Si elles le font, c'est que ça marche, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est un truc de ouf. Et la Dominique, ouais, ça c'est un truc que ça m'a marqué. Donc elle, vu qu'elle est une Dominicaine, elle dit quoi avec les gars? Ouais, je pense que c'est fort possible. Parce que les gars, ils doivent simple. Les meufs, elles leur donnent juste un petit peu d'attention, etc. Boum, boum. Eux, ils sont contents. Enfin, à un moment donné... Quand tu vois que la meuf, elle est refaite de partout et qu'elle est intéressée par toi et qu'elle fait genre, elle t'appelle mi amor, mon bébé ou je sais pas quoi, pose-toi des questions. Déjà, c'est red flag ça. Moi, dès qu'il y a une meuf qui m'appelle mon bébé, je te connais même pas, tu m'appelles mon bébé, mi amor, le premier texto, la première fois qu'on se voit, ça, c'est red flag ça. Après, ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir de meufs bien qui sont des bouteilles de coca. Ça ne veut pas dire ça, mais déjà, tu dois être alerte. Surtout si jamais elle est refaite de partout et qu'en plus, elle t'appelle mi amor. Non, gars.
Donc ouais, je pense qu'il y a une partie de vrai parce que les gars, ils simulent tellement que c'est ouf, tu vois. J'ai d'autres exemples encore. Quand j'étais allé au Brésil, et toutes ces exemples que je te donne, c'est que en fait, les simps, ils défoncent les marchés. Ils défoncent les marchés, en fait, avec leurs mauvaises habitudes. Ils viennent ici, ils donnent aux meufs de l'argent pour tout et rien. Tout et rien. Une fois, j'avais vu une vidéo d'un gars, il y a une meuf qui lui avait fait à manger, il lui a donné de l'argent. Après, t'as dit, ouais, mais c'est cool, tout ça, nani, nani. Mais c'est pas ça, c'est que c'était censé être sa meuf, je crois. C'est, ou en tout cas, une meuf qui date, tu vois. Encore, c'est une meuf, tu dis, vas-y, viens faire à manger pour ma vidéo, comme ça, je fais un truc. Mais c'était une meuf qui datait, tu vois. Donc, imagine le, comment dire, le mindset, en fait. Donc, la meuf, après, qu'est-ce qu'elle va se dire? Bah, ah, tiens, c'est vrai que je vais faire à manger, je dois me payer, ouais, c'est vrai que c'est logique. Et après, dans sa tête, son mindset, il change. Et après, tu te retrouves avec les mêmes meufs que t'es aux États-Unis. Qui se dit, si jamais tu veux un sandwich, bah, paye-toi un restaurateur. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, il n'y a plus de rôle. Mais toi, par contre, ton rôle reste toujours le même. Donc, les gars, ils font n'importe quoi et ils défoncent les marchés. Et il y a beaucoup d'Américains qui ont dit ça que par rapport à la Colombie. Parce que la Colombie, avant, c'était pas comme ça. Et que genre, les filles, alors qu'on soit clair, les femmes restent toujours féminines, etc. Ok, mais c'est pas aussi facile, entre guillemets, c'est pas aussi facile qu'au Brésil, par exemple. Ok, le Brésil, c'est encore, la culture, elle est encore conservée, etc. Ici, les gars, ils sont tellement venus, ils ont tellement fait n'importe quoi, bah, que le marché, bah, ça ressemble à un marché qui, de plus en plus, comme si c'était un peu les States, hein. Pas dans le sens où il faut de la difficulté. Tu vois, de pouvoir avoir des meufs. Après, la meuf, elle sera toujours, elle est féminine, elle s'occupera de toi, etc., etc. Mais ouais, la difficulté, elle est plus élevée parce que bah, les gars, ils ont tellement fait n'importe quoi que les meufs, elles prennent les étrangers ou les gars, les gringos, comme elles les appellent, pour pouvoir prendre leur argent. Ces gars, ils font n'importe quoi. Ils sont toujours en train de se plaindre. Et ça me rappelle une histoire aussi, genre au Brésil. J'avais vu une meuf qui m'avait dit, ouais, non, mais je sais, en date, hein, elle me dit, ouais, je sais que genre les gars, ils se plaignent des meufs aux États-Unis et qu'ils viennent ici et après ils veulent nous marier. Après, genre, elle me prévient, quoi. Elle me dit, moi, j'ai pas envie de me marier là, j'ai pas envie d'aller vivre aux États-Unis, etc., machin. J'ai dit, ouais, j'avoue, les gars, ils sont. Tu peux. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée de dire, genre, ah, nos meufs là-bas, elles sont éclatées, etc. Parce que ça fait genre qu'en fait, tu galères. Ça fait genre tu galères dans ton pays et que tu viens après dans un pays étranger pour pouvoir gérer les meufs. Même si c'est vrai, un peu de fierté, tu vois. C'est-à-dire, tu vas pas le dire à la meuf que tu dates. Tu dis juste que tu aimes ses qualités, etc., etc. Sans la comparer aux meufs là-bas, tu vois. Ou sans même pas une question de dire du mal des meufs aux États-Unis ou de te plaindre. Plutôt te plaindre de la situation de dating aux États-Unis. Mais selon moi, il est quand même mieux que voilà, tu parles juste d'elle. Tu lui dis voilà, moi j'aime tes qualités, etc., etc. Et voilà, tu vois. Parce que du coup, oui, ça fait que ouais, les meufs, elles sont au courant. Elles sont au courant. Après, je dis tout ça, mais ça se passe très très bien. Au Brésil, ça se passe très très bien. Thaïlande, ça se passe très très bien. Voilà, donc c'est pour te dire qu'il ne faut pas écouter non plus tout ce que la meuf elle dit. Il y a un petit peu de vrai, mais il y a un petit peu de genre je suis rageuse et je suis vénère que les gars qui partent là-bas au mieux de rester dans le pays, etc. Alors que c'est des gars qu'elles veulent même pas, qu'elles ne voient même pas. Mais bon. Autre exemple aussi que j'avais eu, un gars, que ça c'était en Colombie, un gars, et ça je t'avais déjà raconté ça, mais bon, je suis tellement vidéo que je te l'accorde, tu n'as peut-être pas entendu cette histoire. Mais j'étais dans un hôtel, tu vois, je vivais dans un hôtel et y avait un gars aussi qui était là, un Américain. Et je me rappelle, il parlait, tout ça, machin. On parlait, tout ça, on commence à parler. Il me dit, ouais, tu vois. Parce qu'il datait une meuf. Mais je le vois, il est amoureux, le gars. T'sais. Les gars, t'es les gars. Trop fragile, les gars. Ils entendent mi amor, machin. Pff, ça y est, ils sont là. Ah, mi amor. Parce que les meufs, elles sont, comment dire, sont câlines. Donc, ah là là, mi amor, baba, papa, câline, tout ça. Pff, le gars, ça y est, il est perdu. Ça y est, machin. Même, je me rappelle même le gars de la réception, il me disait non, il sait pas, il se rend pas compte. Et justement, ce même gars-là, il me dit à un moment donné, je dis ouais, tu vois, moi la meuf, je lui ai dit c'est simple, je lui ai montré mon compte. Il a dit regarde ça, regarde, tu vois là le Zéo, est-ce que c'est suffisant pour toi? Là quand il m'a dit ça, et lui quand il me dit ça, dans sa tête c'est un ouf, hein. Genre il me dit ça, genre c'est un bonhomme quoi, genre ah ouais, moi je lui ai dit direct, hein. Je lui ai dit direct, regarde l'argent qu'il y a sur mon compte là. Tu vois, est-ce que c'est suffisant pour toi ou pas? Alors déjà, une meuf, quelque part comme ça. Une meuf, c'est pas genre sur le nombre de. C'est pas le nombre de zéros que tu as dans ton compte en banque. C'est quelle expérience tu peux lui procurer. Et c'est ça, c'est tout. Quel sac tu lui as acheté, quel voyage tu peux faire, quelle maison. C'est le lifestyle qu'elle veut.
le nombre de zéros, c'est pas vraiment jaugé de toute façon. Mais bon, bref, il dit ça, oh, bonhomme. Il dit, après, genre, il me dit, ouais, de toute façon, on connaît nous les meufs, hein. Nous, on sait ce qu'elles veulent, hein. On sait que c'est Zéo. Donc, moi, je te cache direct. Et je lui ai dit direct, voilà comment on est, hein, là, là. Quand il m'a parlé comme ça, gars, j'étais bouche bée, gars. J'étais genre, je savais pas quoi dire. En plus, je crois qu'il y avait un autre gars qui était là. Un autre gars américain. J'étais là, t'étais tellement ouf, je savais pas quoi dire, gars. J'ai dit, ah ouais. Ok. Je crois que j'ai dit juste, ok. Il a dit, ah ouais, moi je lui ai dit direct. Hein. Ah, franchement, c'était ouf, gars. C'était ouf. Parce qu'en mode, genre, est-ce que tu vas rester avec moi, machin? Les gars, si tu fais ça, mais imagine même si elle reste. Ça veut dire que tu la lead avec l'argent. Donc si un jour t'as un problème d'argent, c'est qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît. Enfin, ça n'a aucun sens. Il faut qu'elle t'aime d'abord pour ta personnalité, tu vois. Bah oui, les gars, c'est la base. Et après, elle découvre que t'as de l'oseille, elle, ça renforce encore plus. Mais tu peux pas. C'était ouf, gars. Donc imagine comment il doit simp. Ça veut dire qu'il devait régaler pour tout et pour rien. Même la meuf, elle a dû dire dans sa tête, mais enfin, vraiment un bouffon, lui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle pense d'autre? Et c'est comme ça qu'après, t'arrives à une autre date. Ça, c'était dans une autre ville de Colombie. Une meuf, je date et tout, machin. Tranquille, ça se passe bien. Donc moi, j'ai pas de problème, c'est moi qui paye les dates, ok? Si on fait un resto, machin, c'est moi qui paye, ok? Donc on arrive, tac, commence à faire sa commande. Elle était pas mal. Après, il faut qu'elle se calme quand même, mais elle était pas mal, tu vois. Genre, après, on commence à commander et tout, machin. Donc elle commande son repas, je commande et tout. Et je vois, je sais pas, je crois qu'elle est au téléphone à un moment donné. Et elle demande genre à son fils, qu'elle avait un fils. Ouais, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu machin, je sais pas quoi. Et après, elle dit au serveur, ouais, ben je vais prendre une pizza et machin. Et gars, donc, et moi, je capote vraiment tout de suite, tu vois, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de commander pour. Est-ce qu'elle est en train de commander pour son enfant là? Et tu sais, je vois qu'elle essaie d'être discrète. Ah, genre, elle parle au serveur, genre, on n'entend pas distinctement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle machin, tu vois. Gars, j'ai commencé à voir rouge, gars. Le sang, il est monté au cerveau, gars. Après, je lui dis, on va calmer. Je voulais stopper direct. Après, j'ai dit, calme, laisse-la finir. Elle a fait son truc. Tu vois, voilà, elle a fait sa commande. Quand le gars est parti, j'ai dit, t'as fait quoi là? T'as fait quoi là? T'as commandé, qu'est-ce que t'as commandé en fait? T'as commandé pour qui? Et non, j'ai commandé pour mon enfant, là, rien. J'ai dit, j'ai dit, même là, ça m'énerve, tu vois, je bégaye. J'ai dit, tu sais que c'est toi qui vas payer ça. Elle me dit, ouais, j'ai dit non, la moindre des choses, c'est que tu demandes, tu vois. Elle dit, moi, j'ai pas de problème à payer pour ton enfant. Tu sais que c'est moi qui ai payé le dette. Donc, j'ai pas de problème à payer pour, si jamais tu voulais commander un truc en plus. Mais la moindre des choses, la moindre des politesses, c'est de me demander. Elle était là, oh, non, mais oui, c'est clair que je vais payer. J'ai dit, ah, mais de toute façon, c'est sûr. Je te dis, c'est sûr que tu vas payer, ouais, c'est sûr. Et genre, évidemment, ça met un froid. Tu imagines bien qu'il n'y avait plus d'ambiance. Là, c'était plus. Là, ça se bouquait plus. Hein. Mais de toute façon, j'étais déjà vénère déjà. Donc après, elle a essayé de reparler, de faire comme si de rien n'était, mais c'était déjà mort. J'avais déjà machin. Mais moi, je me suis dit dans ma tête, mais comment elle peut oser faire ça? Ça veut dire qu'elle a tellement l'habitude que les gars, c'est des teubés, franchement, c'est des simps. Des gars, ils sont prêts à tout faire pour être peut-être un espoir d'aller dans l'intimité avec elle, etc. Je dis, mais toi, t'es sérieuse, toi? C'est parce que t'as un fessier un peu, t'as cru genre t'allais me manquer de respect comme ça en fait. Ah gars, dans ma tête c'était ouf gars. Gars, déjà elle a de la chance que je me suis pas levé, je suis pas parti. Elle a eu de la chance déjà. Mais quand il y a plus de respect comme ça, c'est à cause de qui? À cause des simps. Toujours les simps, et pas forcément des stats, mais c'est toujours les simps qui défoncent le marché du dating pour rien. Faites n'importe quoi et donne de l'argent pour tout et pour rien, tu vois. Et même en Thaïlande, même quand j'étais allé en Thaïlande, je sais qu'il y a des gars qui disent ouais mais en Thaïlande et tout, il faut donner les meufs, c'est comme ça, faut leur donner de l'argent parce que c'est une façon qu'elles s'entretiennent ou je sais pas quoi, etc. Moi j'ai jamais donné d'argent. Ça c'est la base. Si t'es ma meuf, ouais. Après, quand je dis j'ai pas d'argent, c'est moi qui compte, on sort, etc. C'est moi qui paye, tu vois. Mais genre. Jamais je te donne de l'argent comme ça, mon enfant il a plus de lait, je sais pas quoi, enfin toutes les excuses là que des fois les meufs elles sortent, ou pour tout et n'importe quoi, je peux pas m'acheter ma robe, je sais pas quoi, enfin tout le bullshit là, je donne jamais d'argent gars, jamais gars,
si jamais tu deviens ma meuf, parce que je veux pas que la meuf... En fait, je veux savoir vite à qui j'ai affaire. Si t'es une meuf qui était là parce que tu penses que je suis un étranger, genre, tu vas me fitness normal, tu vas me gold digger, comment on dit ça encore en français, michto, tu vois, tu vas me michtonner comme ça normal. Non. Non, tu vois. Une fois que je vois la meuf, elle me kiffe, etc., etc., là, là, il n'y a pas de problème, je te régale, tu vois. Mais jamais, même en Thaïlande, soit disant, ouais, faut faire ci, faut faire ça. Alors moi, j'ai jamais eu de problème. Et ça s'est très, très bien passé. Et j'ai jamais eu à donner de l'argent à qui que ce soit. Mais je pense que les gars, ils acceptent tout, en fait, parce que, genre. C'est pas pourquoi. Manque de confiance en soi, manque de connaissance de secret de nature féminine. T'as d'ailleurs, t'as Zeus en description. Profites-en. T'as Funnel Tinder aussi, hein, parce que si je peux te raconter toutes ces histoires-là, c'est parce que bah, grâce aux stratégies que j'ai sur Funnel Tinder, bah, tu peux avoir des dettes en illimité. Hein. Donc t'as tout ça, c'est le best-seller d'ailleurs. Mais tout ça pour revenir, parce que je suis parti un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est une vidéo expérience, je te partage un petit peu quelques expériences. Croustillance, je sais que tu aimes ça. Tout ça pour dire que ouais, je confirme un peu que les gars, ils siment trop et ça défonce le marché pour rien. Et du coup, tu vois, moi, je suis obligé de rectifier derrière. Parce qu'après, quand elles passent par moi, je les remets au carré, tu vois. Et donc, du coup, moi, je taffe pour les gars qui arrivent derrière. Alors que eux, ils me laissent le truc, le chantier en, ils me laissent le truc en chantier. Tu vois, je suis obligé d'arriver, je suis obligé de remettre les trucs carrés. Parce qu'une fois que la meuf, elle est passée par moi et que... Là, tu vois, la meuf qui a commandé pour son fils, elle le refera plus. Jusqu'au moment où elle va dater 3, 4, 5 cibles et puis que ça va revenir, elle va dire « Oh ben non, c'était j'avais que lui, en fait. » Tu vois, je veux dire... Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, vidéo freestyle. Mets un petit j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, t'as ton description et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis avec ton camp.